L'argent est un outil qui, selon moi, peut permettre à ce qu'on puisse construire de belles choses, construire des humains, des gens. Mais c'est aussi un outil qui est très dangereux, qui peut emmener des personnes à tomber très bas. C'est un outil avec lequel on peut aussi détruire. Et aujourd'hui, je vais beaucoup m'attarder sur la manipulation de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est très axée sur l'argent, c'est le capitalisme. Il faut se faire un max de profit. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des situations difficiles, dans la précarité. Et c'est tout simplement normal, ok, d'avoir des aspirations, de vouloir gagner plus, de s'en sortir. Mais avec de l'argent, il faut faire très attention. Il faut veiller à faire bien les choses. Parce que ce qui se passe, c'est que les personnes qui en ont suffisamment et qui sont mal intentionnées, surtout, je tiens à préciser, ok, il y a des personnes qui ont de l'argent et qui ont vraiment de bon cœur, qui sont très bienveillants, qui font les choses pour aider les autres, ça c'est vrai. Mais dans le lot, il y a aussi des personnes qui ont de l'argent, mais qui sont très malveillants, qui recherchent constamment à corrompre les autres, à les dompter, à les dominer, à exploiter, à faire énormément du profit sur les autres. Et avec ces personnes, il faut faire énormément attention. Parce que le rapport que vous avez avec l'argent va déterminer beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui est prêt à tout faire pour de l'argent? Quelles sont vos limites vis-à-vis de l'argent? On sait que dans une société comme le nôtre aujourd'hui, les gens n'ont vraiment pas de limites. Pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à faire des choses dont vous n'avez même pas idée aujourd'hui pour gagner de l'argent. Mais comment donc les gens se font avoir avec de l'argent? Comment est-ce que les gens tombent dans le panneau la plupart du temps? On va prendre un jeune homme qui a de très belles aspirations, qui a de très beaux projets et qui a une très bonne créativité et qui fait les choses, qui a son petit projet, qui se bat comme il peut. Et il n'a pas de soutien autour de lui, il n'y a pas de soutien, il n'y a personne qui finance et tout. Donc c'est un jeune qui va être obsédé par cette volonté de développer son projet, de chercher de l'argent, de trouver des gens ici et là qui vont l'aider, ok, normalement, à faire passer son projet à un autre niveau. Et il va tomber sur des gens qui vont peut-être avoir les moyens, mais ne vont pas vouloir l'aider. Et un jour, tu tombes sur quelqu'un qui veut bien t'aider. La personne ne montre pas clairement ses intentions. La personne te dit, bah, ok, tu veux te développer, on va faire ci, moi je vais faire ci pour toi, je vais faire tout un tas de trucs pour toi. Et toi, tu es super content. Toi, tu te dis, oh, enfin, j'ai trouvé un bon samaritain qui va pouvoir m'aider, qui va m'aider dans ma carrière, dans mes projets, à me bâtir, à me construire, à faire de très belles choses. C'est ce que toi, tu te dis. Mais comme j'ai dit, c'est des personnes qui sont toujours mal intentionnées. Ils ont toujours quelque part dans leur creux de leur tête ce projet de t'utiliser, de profiter, de te manipuler, de te contrôler. Mais ça, toi, tu ne le sais pas encore. Okay? Donc toi, tu vas être dans le flow, tu vas être dans le bain. Et à un moment donné, quand cette personne va t'aider à arriver à un certain niveau, la personne va commencer par te dicter comment est-ce que toi, tu dois fonctionner. Comment est-ce que toi, tu dois faire tes choses. Que tu dois plus dire ça, tu dois t'exprimer comme ça. Non, cette cause, tu dois la laisser. Moi, je veux que tu te concentres sur ça. Je vous assure que beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège. Ok? Cette volonté de vouloir trouver quelqu'un, un parrain, quelqu'un qui va m'aider à construire quelque chose, à bâtir quelque chose, parce que j'ai une idée, j'ai un projet, je suis créative, j'ai des ambitions, donc je veux quelqu'un qui va m'aider à l'accomplir. Mais vous tombez sur la majorité de gens qui veulent profiter de vous, qui veulent vous utiliser, parce que vous avez déjà quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous avez peut-être de l'intelligence, vous avez de la créativité, vous avez quelque chose à offrir, mais ces personnes, elles n'ont pas cela. Elles ont de l'argent, okay? Mais elles n'ont pas toutes ces richesses que vous avez. Donc, vu que vous vous dites que c'est l'argent qui me manque, je vais aller vers des gens qui ont de l'argent, ils vont vous donner certes de l'argent, mais en retour, ils vont vous utiliser. Ok? Et voici comment nous sommes arrivés à avoir des gens qui, à la base, on aimait bien, on aimait ce qu'ils faisaient, leur cause, leur mission, ce qu'ils défendaient, c'était super agréable. Et à un moment donné, on ne comprend plus rien. C'est des personnes qui ont complètement et littéralement changé. Ok? On ne se retrouvait plus dans ce qu'ils faisaient, leur mission, leur cause, leur projet. Ils ont délaissé ces choses et sont devenus méconnaissables parce qu'ils ont maintenant franchi un cap, ils sont rentrés avec des personnes dans un réseau où on leur interdit de faire ce qu'ils faisaient. C'est donc le piège et la manipulation qui se cachent derrière le fait de solliciter parfois des aides financières. Parfois vous êtes dans votre projet,
le truc avance un peu, bon, ça vous plaît pas, vous dites non, moi je veux un truc qui fonctionne tout d'un coup. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes bienveillantes qui peuvent vous aider. Il y en a, il y a des personnes bienveillantes qui vont vous aider. Mais la plupart du temps, elles sont pas nombreuses. Et on ne les attire pas aussi rapidement et facilement. C'est ça le truc. Mais les personnes qui ont quelque chose à gagner avec vous, c'est les personnes qui viendront vous proposer des deals et tout, et tous ces genres de choses, vous allez l'accepter. Et après, vous ne comprenez plus rien. J'en parle parce que c'est un truc auquel j'ai que j'ai effleuré en fait. Et aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir accepté certaines choses. Parce que là, je suis en train de réaliser que si je me sentais redevable financièrement, ok, vis-à-vis de certaines personnes, aujourd'hui, ces personnes peuvent décider de comment je dois faire mon combat, ce que je dois dire, les sujets, ce que je dois aborder, ok. Mais j'aime bien cette capacité à être libre, à parler des choses qui font du sens pour moi, à parler des choses qui vont forcément parler à des gens, à un type de gens. Je ne veux pas forcément faire des choses qui sont entertainment, grand public, commercial, parce que je veux toucher un très grand nombre. Alors qu'au fond de moi, je me sens vide, ça ne me parle pas. Parce que je sais que je suis en train de dire des choses qui ne viennent pas du fond de mon cœur. Donc aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un, un jeune qui fait des projets, qui a des ambitions, il faut faire aussi un peu très attention à ce côté-là. Vous pouvez compter que sur vos propres efforts. Ça va être long, ça va être rude, mais voilà, déjà vous gagnez quelque chose qui est le fait que personne n'a le droit de vous dire comment est-ce que vous devez faire votre job. Et ça, croyez-moi que c'est un avantage énorme. Et ne croyez pas que l'argent est la seule forme de richesse. L'erreur que commettent les personnes qui sont créatives, qui ont des projets, des ambitions, c'est parce qu'elles croient que parce qu'elles n'ont pas d'argent, eh bien, elles n'ont rien. Ok? Pas du tout. Pas du tout. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont énormément d'argent, mais qui savent à quel point elles sont pauvres. Voilà pourquoi elles recherchent des gens, des projets, des jeunes, des ambitions dans lesquelles investir. Parce qu'elles savent que l'argent à lui seul ne leur sert à rien. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas les connaissances. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas l'impact. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'influence. Donc, tout ce qui est influence, connaissance, talent, créativité, toutes ces choses sont beaucoup, beaucoup plus importantes que de l'argent. Si vous vous attelez, que vous restez focus sur le travail à faire, sur les projets, les initiatives, la créativité, si vous tenez bon sur la durée, ça va vous rapporter aussi de l'argent. Donc ne tombez pas dans le panneau, ne tombez pas dans ce piège dans lequel tombent la plupart des gens qui se disent, moi j'ai besoin d'un soutien, moi j'ai besoin d'aide. Parfois l'aide que tu vas recevoir, c'est cette aide-là qui va te transformer. Certes, ça va te permettre d'avoir toujours ce que tu as voulu, hein, c'est-à-dire les biens matériels, les accessoires, tout ce qui peut te permettre de miroiter une vie de réussite aux gens, mais au fond de toi, comment est-ce que tu te sens? C'est la question. La flamme qui t'avait fait démarrer, elle est éteinte. Comment est-ce que tu te sens? Oui, tu peux frimer. Oui, tu peux te livrer à certains plaisirs de la vie. Mais tu sais que ton âme ne vit pas. Parce qu'on t'a retiré ce qui était la chose la plus importante pour toi. On t'a emmené sur une voie qui ne te parle pas. On t'a forcé à dire, à faire des choses qui ne te parlent pas. Donc, il faut faire très attention dans cette société moderne où les gens utilisent, surtout les hommes puissants et qui ont du pouvoir, utilisent l'argent comme un moyen pour manipuler, pour dévier les gens de leur objectif principal, de ce qui leur parle, de ce qui fait du sens pour eux. C'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.